Ok, ben, tout d'abord, laissez-moi remercier tous mes camarades journalistes pour votre patience. Vous devez imaginer, nous tiens convoquer une réunion, le COVID-19, à 4 heures, pour prendre un certain nombre de bonnes décisions. Et bien sûr, il y a beaucoup de discussions. Et d'ailleurs, le ministre, vous connaissez qu'à un certain moment, il quitte nous, il est à la télévision pour cause de COVID-19. Quand le ministre finance aussi, il participait. Mais en attendant, pendant qu'il nous peut discuter, comment nous trouver, la situation est évoluée. Donc, vous pouvez dire, la situation est évoluée d'une manière que l'in prend nous, si, quand même, s'il est temps, pour nous capables d'une adresse à Zot et à travers Zot à la population. Nous dans une situation d'urgence sanitaire. Parce que, malgré toutes les précautions qui nous font prendre, le fait que là, le fait qu'apprendre, qu'il a dépisté 3 cas positifs pour le coronavirus, c'est les Mauriciens qui font une retour de l'étranger récemment. Là, les actuels qui m'ont fait cause à eux, et dans le test qu'ils peuvent faire, donc ça, 3 personnes là. Et donc, je fais confirmer aussi que le docteur fait dire moi, qui est dans le test qui peut avoir l'Afrique du Sud, et dans le sample qui peut avoir l'Afrique du Sud, donc pour capable confirmé en ce qui concerne sa 3 cas-là. Le ministère, en tout cas, dès qu'il finit sa 3 cas-là, il applique le protocole comme on disait et il place autres en isolation à l'hôpital de Souillac. Ils ont gagné tout traitement qui visait. Et bien sûr, là, on peut suivre de très près. Le High Level Committee, donc qui nous joigne à partir de 4 heures, nous avons fini de décider pour prendre une décision qui me permet de nous autres. Mais bien sûr, nous. Ils prennent toutes les informations concernant surtout le vol, Kenan, etc. Donc, nous prenons la décision qui appartient demain, 6h GMT, donc il veut dire 10h à l'heure de Maurice, qui tout passager indistinctement pour interdire d'accès au territoire Maurice pour les prochaines 15 jours. Tout passager indistinctement, veut dire qu'il y est étranger, qu'il y est mauricien,
à partir de demain, 10h, l'air Maurice, pas pour capable rentrer au nouveau territoire. Tout bon passager, indistinctement, qui peut arriver à Maurice jusqu'à 10h, l'air Maurice, je pourrais automatiquement en quarantaine. Donc, bien sûr, qu'il y ait étranger, qu'il y ait mauricien, poil en quarantaine. Donc, moi, j'ai content de faire un appel à la population, que nous restions vigilants, et surtout, nous suivre dans le conseil devant l'autorité, en particulier la santé, mais les autres, l'autorité aussi. Et qui nous, bien sûr, nous campagne de sensibilisation pour continuer. Et bien sûr, en fonction du développement de la situation, nous pouvons prendre une décision qui pisa. Donc, voilà. Si il y a une question, nous passons la parole. Non, nous ne faisons apprendre d'ailleurs, à l'instant même là, beaucoup même j'ai un témoin qui, docteur Gazada, peut pour moi, l'eau, un test, donc qui peut faire, ou c'est, ou c'est. Pardon? Qui rentre dans le pays, oui. Bon, je ne connais pas exactement qui date qu'ils ont une rentrée. Nous n'avons pas de date là, mais non, ce qui est important, c'est quand il connaît qu'il y a un premier test qu'il fait là, qui est positif, et là donc, il a le reconfirmé, c'est pas donc il confirmé qu'ils étaient dans ce virus là. Donc ça, 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 ça nous n'a pas dit là. Est-ce que les trois personnes étaient en quarantaine ou est-ce qu'ils étaient déjà. C'est dans. Deux personnes qui sont déjà en quarantaine, hein? Deux, mais un n'est pas en quarantaine, donc l'invite après pour dire qu'il y a un certain man symptôme, et c'est après la suite de la qu'il isole. Est-ce qu'il est en contact avec un proche ou un. Bon, là, pour ça, un jour là, là, vous allez faire un contact tracing, vous connaissez. Attends, attends, pas. Chacun pour qu'il pose question. Laisse-moi regarder le temps de répondre. Donc là, il prend tout bonne disposition donc pour faire le contact tracing, pour guetter avec qui sont là. Ils ont une gagne donc contact. Oui, madame. Bon, il y a deux personnes qui travaillent nos cruises, deux Mauriciens, donc qui travaillent nos croisières, et qui donc une rentrée. Et puis N qui sortit d'Angleterre. Est-ce qu'il marque la tranche d'âge des personnes? Oui, et na N et na ceux qui sortit d'Angleterre ont 59 ans. Et les deux donc qui travaillent au cruise ship, les autres jeunes, c'est 21 et 25. Pardon? Tous hommes, tous les trois hommes. Pardon? Oui? Non, le pont contient contrôle strict, pas pour une croisière, pas pour rentrer. En ce qui concerne le cargo, ben, il y a juste l'équipage. Et donc, nous augmentons nous, surveillance qui fait. Et ben protocole qui est dans sur place déjà et qui continue à être appliqué. Pardon? Bon, ça nous a été effectivement hein, en fonction de l'évolution de la situation. Oui? Bien sûr, bien sûr. C'est ben ce qui est déjà en quarantaine, il plie. Facile à nous dire, parce qu'il a causé une maison en quarantaine.
D'ailleurs, il fait faire un test là concernant ben du monde avec qui je suis capable d'avoir un contact. Mais la personne qui est partie en quarantaine, lui, bien sûr, elle retrace tout ben du monde avec qui il a un contact. Nous, l'hôpital de Souillac, il finit par faire depuis avant, on va dire, pour accueillir ben le cas, quand pour en aller, comment nous en aller, comment se dire reconfirmé là, donc comment aller pour en aller. Oui, nous en avons tout ben soin, ben traitement qui est applicable. Pardon? Comme test infini faire l'eau. Bon, il fait un certain nombre. 122. Bon, à ce temps-là, il fait un tracing pour ceux qui étaient à côté de l'inhalé, qui s'en a un contact. Ben, il y a l'hôpital Candos. L'hôpital Candos, donc elle est là, je t'ai référé à lui, justement, à Souya. Pour faire un test, pour checker, pour guetter, c'est pas, effectivement, si je t'ai aussi, je t'ai... Tout, pas pour... Tout, pour le retrace tout, là, pour le guetter, depuis le commencement, quand il voyageait, il venait, pareil, comment ça, le dé, qui se travaille, le cruise, là, je suis sûr qu'il n'y a pas d'avion. Donc, je suis voyagé par avion avec mon passager. Donc, il y a tout ça, il y a un tracing pour faire là. Et peut-être un matin, Paul, peut-être une information, est-ce qu'il vient de temps maintenant pour lui, cette semaine? Quand j'ai une rente Maurice? Maurice, en Paris-Maurice, une date là, on est capable. Évidemment, nous avons une date quand j'ai une rentrée. Oui, si. N ce matin. N le 7, N le 14, N ce matin. Non. Après 10 heures, pena accès à aucun passager. L'eau Maurice. Oui? Non, Rodrigue, c'est interne. À l'interne. Normal. Non, pas qu'il y a un vol qui peut amener un passager de l'extérieur qui peut rentrer Maurice. Mais vol, ou toujours un an, parce qu'il y a un cargo. Il y a un avion qui peut sortir cargo. À Maurice, un souci, il sortir cargo. Oui, jusqu'à 10 heures. Ouais. C'est ça, ben c'est qui, in fine, la cause, ça qui nous met 10 heures. Parce qu'il n'y a pas qu'à avoir un vol qui in fine quitter, qui pour rentrer là, ben, qui nous dit, il n'y a pas qu'à y aller retourner ou bien tourner dans l'air. Nous peut expect combien de temps? À peu près 3 vols. Et là, est-ce qu'il y a un équipement nécessaire pour que la chambre de Marx soit là? Oui. Ça nous finit, nous faire une provision. Oui. Pardon? Mais le 7, la personne, il ne présente aucun symptôme quand il est rentré. Et quand il ne sentit pas trop bien, il commence à gagner la fièvre. Là, il est allé, il a besoin de soins. Finalement, il vient à l'hôpital Candos, et c'est là que les il préfère mettre lui en isolation quand il y a ce bon symptôme qu'il y a. Non. Revoir, que ça veut dire?
Mais toute bonne personne qui est déjà en quarantaine, je suis strict surveillance, parce qu'ils sont déjà en quarantaine. Puis ils sont pas au jour, puis ils sont à l'air, à Saclay, ils sont là, ils sont en confinement. Donc, ça va du bon là, ils ont un suivi qu'ils peuvent faire. Bon, bon, là, le test peut faire, moi, je ne vais pas dire à l'état de santé, je ne suis pas médecin. Oui, en isolation, là. Donc, d'abord, j'ai déjà la croix, là. La personne qui est en circulation de prendre l'université, c'est une personne. Alors, j'ai un petit peu de nouveau procédure pénal pour quoi faire? Non, pénal, nouveau procédure, il y a un protocole. Ce protocole-là peut appliquer, comment on se dit, comment nous gagnons un cas, donc il y a un protocole qui peut appliquer. Là, il peut bien retracer tout le monde avec qui sa personne a eu contact. Pour faire un test, pour guetter tout le monde, je ne sais pas est-ce qu'il y en a un capable de contaminer ou pas. Mais la cause simple, c'est qu'il y a un contact tracing, si je tiens dans le monde, donner là, tu peux dire, mais la santé peut faire ce travail-là. Actuellement, il y a même du monde qui peut faire le travail. Donc, après, là, mon cas, donne un détail. Oui. Non, pas qu'on fait un test, là. Parce que c'était là, on peut dire, où nous fait. Mon préfet dit que là, nous faisons apprendre sa nouvelle là. Right? Donc, entre maintenant là, quand nous faisons apprendre ça, il y a besoin de temps à mon personnel pour aller pour faire le tracing. Et M. Lachel, il m'a apporté hier. Est-ce qu'on fait aussi par une mesure ou on fait aussi par une mesure? Vous posez une question, moi, Esther. Vous pouvez poser une question. Andy Moon, il est rentré, il n'a aucun symptôme, il est bien. Qui m'a fait? Nous gardons libre, nous prenons où, nous mettons en isolation? Non, nous bien réalistes. Et c'est ce qui est nous fait à Maurice, c'est pas. C'est une affaire qui est applicable partout. Il faudrait, tout le monde là, il nous trouve un symptôme. D'ailleurs, sans moment là, il vient d'un pays qui n'appartient à aucune restriction. Alors, il y a une rentrée, pas une lave à pied, capable de rentrer l'inhalé, mais pas à la suite quand il développe la fièvre, il commence à gagner la fièvre, il commence à gagner tout, ben évidemment, les là, qui même en lien en charge. Pardon? Va quoi? Mais ce comité-là, ils ont à toutes les heures nous besoin. Nous besoin dimanche, quotidien, avant qu'ils me causent avec la presse, quotidien, dimanche, nous besoin, nous en contact, nous pouvons discuter, nous pouvons causer, nous pouvons suivre la situation. Aujourd'hui, depuis 4 heures, imaginez, nous pouvons continuer donc à suivre l'évolution de la situation. Donc, nous besoin, quand. Pour bien jouer, pour nous capables, et si bien prendre les autres décisions. Je voudrais une simple précision par rapport à Mme Abbeau, nous avons capacité de dire, donc pas pour nous, pas pour rentrer. Quand est-ce que Mme Abbeau qui est supposé sauter? Non, c'est même qui me dit, il ne faudrait pas faire confusion. Je ne dis pas un avion pas pour rentrer, je dis pas passager, pas pour gagner le droit à rentrer. Mais un avion, il peut venir parce qu'il n'y a pas de passager. Il y a un cargo qui est sorti. C'était un bon passager depuis Maurice qui bisait aller voyager. Ça ne peut pas empêcher ce passager de sortir depuis Maurice pour voyager. Bon, ça, il y a un détail là qui nous fait gagner. Ça aussi,
ça deux personnes là, le qui bateau, je t'y travaille. Au contraire, fait gagner ça dans le détail là. Alors, Astéa, pour guetter, l'eau ça bateau là, est-ce qu'il tient dans les autres Mauriciens qui s'y travaillent l'eau là? Est-ce qu'il tient, je t'y gagne contact? Ça aussi, donc, un tracing qui vous a fait. Mais fait dire, nous fait gagner. Le ministre, nous tient ensemble, tu allais là, right? Nous tient ensemble, nous discuter, nous avons une décision qui nous est là pour prendre. Les deux ministres, nous allons pour l'émission. Ben, nous continuons notre travail. Et elle est là, nous apprendre qui, là, à cette là. D'ailleurs, moi, tu peux venir faire une conférence de presse plus tôt. Je témoins, là, nous convoquons, je un peu plus bonheur. Le temps, nous gagne certaines bonnes nouvelles, nous préférons attendre un peu. Mais là, l'étant nous gagnons sans nouvelles là, ben, mon devoir, c'est comme un premier ministre, nous, comme un gouvernement, c'est pour informer, nous toujours dire, d'informer la population. Et voilà. Mais ça, c'est bien, informer l'OMS, mon point. Mais forcément, que c'est pour qu'on casse le nid là. Donc, à faire pour informer l'OMS. Et ça, il est bon qu'il me dise. Nous avons une obligation pour informer l'OMS. La cause qui m'a toujours dit, quand pas tient en cas, pas tient en cas. Mais quand là, nous pouvons trouver pays en cas, nous avons une obligation pour informer l'OMS. Mais là, il y a des skippers de l'Afrique du Sud là, pour bien réconfirmer. Donc, ça, on ne pas connaître combien de temps il prend. Mais nous ne pouvons pas attendre, bien sûr, le traitement, tout ça, nous peut appliquer d'après un protocole qui est établi. Hein. OK? Good. Allez, merci. Sa téléphone là.